Nous vous disons bonjour dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons avec vous nous approcher du roi des rois, le célébrer, le louer. Et particulièrement parce qu'un jour, il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour nous, afin que nous soyons libres. Merci Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, Jésus. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire. Jésus. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais. Je sais que tu m'aimes. Parce qu'à la croix, tu es mort pour moi, Jésus. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour Jésus. Moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, Seigneur, grand. Aucun amour, Jésus. Aucun amour, Jésus. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Oui, je me prosterne ce matin, où Jésus. Ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Merci Jésus. Rien ne peut nous Rien, séparer. Jésus. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces le chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Oui, c'est ça. Jésus. Tu traces un chemin. Jésus. Car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant. Tu resterais là, je sais que tu m'aimes. Tu peux le proclamer, je sais que tu m'aimes.
Je sais que tu m'aimes. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Proclamons-le ensemble, cette croix. Cette croix, cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, encore une fois, cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Proclame-le chez toi, cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette psaume 45, un psaume de louange, nous dit au verset 2, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour toi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est ce que nous voulons chanter pour notre Dieu, pardon, ce matin. Je dis, mon œuvre est pour toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain. Sous ta main. T'adore, ô Dieu souverain. On va le redire encore une fois, des paroles. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi pour le roi. Je dis, mon œuvre est pour toi. Et que ma langue soit comme la plume. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain. Sous ta main, Jésus. Oh. T'adore, ô Dieu souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie. Un baume de vie et un baume d'amour. Tes parfums. Tes parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé.
tu me combles, Seigneur. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin. Le meilleur des vins. Le meilleur des vins. Oui, ta tendresse, maître. Tu es. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Jésus. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Encore une fois, un baume. Un baume de vie et un baume d'amour. Notre Dieu nous comble. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin. Le meilleur des vins. Le meilleur des vins. Oui, ta tendresse, maître. Disons cela encore. Tu me combles, Seigneur. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin. Le meilleur des vins. Oui, ta tendresse. Alors tu es le plus beau. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu déploies sur moi. Tu déploies sur moi ton amour. Et la grâce. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume. Oui, je suis malade, malade d'amour. Oui, je suis malade. Oui, je suis malade, malade. Encore une fois, dis-lui ça. Oui, je suis malade. Oui, je suis malade, malade d'amour. Je suis malade. Oui, je suis malade, malade d'amour. Oui, Seigneur. Nous allons bientôt entendre ton conseil. Tu vas nous parler à travers ton messager. Nous voulons faire taire en nous toute voix qui s'opposerait ce matin à ta parole. Nous voulons dire, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends. Quand je l'entends. Oui, je comprends. Oh, je comprends. Qu'il a payé. Qu'il a payé. Pour ma liberté. Pour ma. Je te vois, Seigneur. Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Parle-nous ce matin, Jésus. Mets ta voix dans mon cœur. Parle-nous ce matin, Seigneur. Toujours. Jésus. Et ta vie à chaque heure. Oui, Jésus. Coule comme un torrent. Si je me. Oui, Seigneur. Oh, j'apprends. Je veux apprendre, Seigneur, à écouter la voix du bon berger. La voix du bon berger. Quand je l'entends. Quand je l'entends. Oh, je comprends. Merci, Jésus. Qu'il a payé. Seigneur, je te vois, je veux te voir Seigneur, ce matin, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Oui, Seigneur, parle-nous encore, Jésus. Et ta voix dans mon cœur, oh Papa, toujours ta main et ta vie à chaque heure coule comme.
quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre, ouvre-lui ton cœur ce matin. Il veut te parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme oui. un torrent. Coule, Seigneur, coule. Coule. Coule sur nous. Coule. Coule sur ton peuple ce matin. Coule. Que ta vie coule, Seigneur. Coule, coule, coule comme une dernière fois, coule, coule, Seigneur. Coule, coule, coule comme un torrent. Jésus. Coule, coule, coule comme un torrent. Merci, Seigneur. Bonjour, bien-aimés. Voilà, aujourd'hui c'est le jour du culte. Vous avez adoré le Très-Haut, vous avez adoré le Seigneur Jésus, et c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce que c'est sur YouTube que le Seigneur n'est pas à vos côtés, car permettez-moi de vous dire qu'il vit en vous. Et c'est pourquoi croyez qu'il est là en cet instant à vos côtés. Je salue donc toutes nos assemblées au nom du corps pastoral, et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. De quoi nous allons nous entretenir aujourd'hui? Vous savez, depuis quelques mois, j'observe, j'analyse et je ressens. Et je sens que beaucoup de chrétiens sont insatisfaits de leur vie chrétienne. Beaucoup ne savent pas à quoi cela est dû. Et ils ne réalisent pas qu'un des objectifs de Dieu, et ce pour chacun de nous, c'est que nous apprenions à vivre par le Saint-Esprit et à ne pas dépendre de l'ambiance d'une réunion. Vous voyez, ça permet de faire un petit nettoyage dans notre façon de vivre notre foi. Et Dieu désire véritablement que nous réalisions qu'il nous a donné son Esprit et que son Esprit est pour nous une source de bénédiction, mais aussi une nécessité. L'objectif de Dieu, c'est que nous prenions conscience de l'onction qu'il a mise sur nos vies. Alors, le titre de cet enseignement sera « Demeurer dans la puissance de l'onction de Dieu ». Je reprends. Demeurer. Pourquoi demeurer? Parce que parfois, on va à droite, à gauche chercher si quelqu'un peut m'apporter plus de puissance. Non, 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 non. Demeure dans ce que tu as reçu. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. Et nous verrons donc l'importance de l'onction de Dieu dans notre vie. Alors pour cela, nous allons lire dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et verset 20. Il est dit ceci. « Pour vous, donc pour moi et pour toi, vous avez reçu l'onction. De la part de qui? De la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » Donc, Jean nous rappelle, pas la peine d'aller à droite, à gauche. Vous avez reçu l'onction. Et à quoi elle sert cette onction? Afin que vous ayez la connaissance de Dieu. Or, celui qui vous a donné l'onction, il est comment? Il est saint. Donc, l'onction a une fonction, nous sanctifier davantage, nous sanctifier davantage. Nous sommes à l'école de l'onction. L'onction, je rappelle, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il nous enseigne tout ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi c'est si important. Il désire prendre sa place de Seigneur dans notre cœur. Vous savez, je me rappelle que lorsque je me suis donné au Seigneur, je lui ai dit « Tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie ». Et c'est vrai que nous sommes souvent de ceux qui adorons le Sauveur. Mais nous adorons aussi le Seigneur, mais dans quelle mesure il est véritablement Seigneur dans notre vie?
Dans quelle mesure on peut dire « Tu es le Seigneur de ma vie » Dans la mesure où nous n'écoutons pas l'onction de Dieu, nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Nous vivons selon nos habitudes, selon nos pensées, selon nos désirs, selon nos passions, selon nos fréquentations, selon notre caractère. Et on n'écoute pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi maintenant je dirais qu'il y a une seigneurie dans notre vie, et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il y a une seigneurie dans notre vie qui est l'ego. Et notre ego est devenu notre seigneur, le moi ou celui des autres. Mais on ne pourra jamais vivre la puissance du Saint-Esprit. On ne pourra jamais connaître la sagesse du Saint-Esprit si on ne se soumet pas volontairement au Saint-Esprit. Rappelez-vous que Jésus nous appelle à être ses témoins. C'est pourquoi il nous invite aujourd'hui à rechercher son onction, sa présence, d'écouter la voix de son esprit pour qu'il déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vient dans cette intimité, dans cette communion, dans cette recherche que nous avons de Dieu. Car d'où vient l'amour? L'Écriture nous dit que l'amour est déversé. Donc quand on le déverse avec abondance, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'onction est une propriété, une caractéristique, c'est qu'il déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Or, souvent, nous avons une mauvaise définition de l'onction. Pour nous, on définit l'onction comme une puissance qui nous permet de faire des miracles, des prodiges, qui permet de faire des choses extraordinaires. C'est en partie vrai. Mais l'onction, c'est la nature de Dieu dans notre cœur. Dieu est amour. Alors, il déverse l'amour dans notre cœur. Parce que, à quoi servirait-il de faire des miracles, de prophétiser, de faire des choses extraordinaires si nous n'avons pas de l'amour dans notre cœur? Jésus dira, « Je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. » C'est pourquoi il est important d'avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Pour comprendre l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, je prendrai l'image d'une plante. Nous savons que la sève, c'est la vie de la plante. Et sans cette sève, la plante va se dessécher ou elle ne va pas porter de fruits. De même, le Saint-Esprit, c'est notre vie. Sans sa présence, nous ne pouvons pas porter de fruits et nous n'avons pas la vie. D'ailleurs, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus. Ou tu ne t'es pas repenti sincèrement pour être sauvé par la grâce divine. Parce que lorsqu'on donne son cœur à Jésus, on reçoit l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu entre dans notre vie comme la sève est pour la plante, de même le Saint-Esprit est pour notre vie de la même manière. De même que la plante a besoin d'eau pour croître. La plante a besoin d'eau pour porter du fruit. De même, la parole de Dieu est aussi l'eau vive que Dieu met dans notre vie, que Dieu place à nos côtés, que Dieu désire voir dans notre cœur, afin que nous grandissions et que nous portions du bon fruit. Donc, rappelez-vous, Saint-Esprit, tu es ma vie. Parole de Dieu, tu es l'eau vive. L'Esprit et la parole vont ensemble. Beaucoup cherchent la louange, beaucoup cherchent l'adoration, beaucoup cherchent des manifestations sans la parole. Or, les deux marchent ensemble, la parole et le Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être au centre de ton existence si tu veux voir l'onction de Dieu se manifester dans ta vie. Les deux marchent ensemble. Le Saint-Esprit et la parole sont vie et lumière, je le répète, ils collaborent ensemble dans nos vies. Dans quel but? Pour nous transformer à l'image de Jésus. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez enseigné par le Saint-Esprit. Et une œuvre de transformation se fera progressivement dans votre vie. Changer la mentalité, changer la vision, transformer nos volontés pour qu'elles se soumettent à la volonté de Dieu et surtout de demeurer dans le repos de Dieu. Car Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, mais de faire connaître nos besoins. Que nous dit
l'épître de Jean, 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Elle nous dit ceci. Quant à vous, donc à moi et à chacun de nous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Elle n'est pas dans telle église, elle n'est pas chez tel ami, elle n'est pas chez tel pasteur. L'Écriture dit, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et Satan fait tout pour vous faire ignorer ce fait. Il fait tout pour vous déformer votre compréhension des choses, pour que vous alliez chercher ailleurs ce que vous avez déjà reçu. Vous avez l'onction de Dieu, c'est ce qui est marqué. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et il ajoute quelque chose d'intéressant. Vous n'avez pas besoin que personne vous instruise. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est en vous, vous enseigne par la parole de Dieu. D'où l'importance d'avoir du temps avec Dieu. Cette intimité avec Dieu va développer en toi cette capacité d'entendre la voix de Dieu et de marcher sous la puissance et la sagesse de l'onction de Dieu. Elle nous dit aussi, toujours dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, la suite, « Mais comme sous onction, vous êtes instruits de toutes choses, l'onction vous enseigne toutes choses. » L'onction vous instruit de toutes choses. Si tu manques de sagesse, l'Écriture nous dit, demande-la à Dieu. Si tu ne comprends pas quelque chose, dis Saint-Esprit, toi qui es dans mon cœur, enseigne-moi, instruis-moi, montre-moi, révèle-moi. Comme l'apôtre Paul disait, c'est par révélation qu'il enseignait. Dieu se révèle aussi. Tu dois te demeurer dans ce qu'il t'a enseigné. Car elle dit, comme sous onction, vous êtes instruit de toutes choses et qu'elle est véritable et n'est pas un mensonge, selon qu'elle vous a instruit, demeurez en lui. Demeurez dans l'onction. Demeurez dans l'enseignement de l'onction. Laissez l'Esprit de Dieu vous enseigner. Vous avez compris, au travers de tout ce que j'ai dit, que le point essentiel, c'est de savoir à propos de l'onction que nous devons être soumis à la seigneurie de l'Esprit, de sorte que rien ne se passe dans notre vie si ce n'est lui qui l'accomplit. Je reprends. Rien ne devrait se passer dans notre vie si ce n'est le Saint-Esprit qui l'accomplit dans notre vie. Et l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Il dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, mon ego était crucifié, ma volonté était crucifiée, mes sentiments étaient crucifiés, mes raisonnements étaient crucifiés, mes aspirations personnelles, spirituelles, sentimentales, professionnelles, tout a été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus mon ego, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit aussi en toi. » Je te le répète et rappelle-toi que je t'ai dit que Christ était à tes côtés tout à l'heure. Le Christ de Paul, c'est le même Christ qui vit en toi. OK? Et il dit ceci, « Si je vis maintenant dans la chair, comme nous, je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul dit par la foi que Christ vit en lui. Et cela est déterminant de réaliser que la présence du Seigneur est dans ta vie. Parce que si le roi des rois, le saint des saints, le tout-puissant vit en toi, tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit, premièrement. Deuxièmement, Satan a peur de toi quand il sait que tu sais que tu as l'onction. Troisièmement, tu as l'autorité qui vient du Christ, pas de toi, mais qui vient du Christ qui vit en toi, qui fait que le diable tremble et tu as autorité sur toutes choses. Parce que le Fils de Dieu vit en toi. Rappelez-vous qu'il a dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Tu as aimé de Dieu. Et c'est pourquoi il a fait quelque chose d'incroyable, qui dépasse le raisonnement humain. C'est qu'il est venu habiter dans ton cœur. Jésus est venu par son esprit. C'est lui, rappelez-vous que c'est lui loin. Loin de l'Éternel, c'est lui. Et c'est pourquoi quand il vient habiter dans ton cœur, tu es loin de son onction. Alléluia. Mais il y a un prix à payer pour vivre cette réalité.
c'est de renoncer à notre force naturelle, de renoncer à notre égoïsme, de renoncer à nos raisonnements et de se soumettre à la domination du Saint-Esprit. Jésus nous enseigne un verset qui nous permet de voir que ce principe est important. Ça le concerne, lui. Nous ne sommes pas plus que le maître. Or, Jésus nous enseigne par sa vie ce qui devrait être. Ce que nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19, il est dit ceci. Beaucoup ont lu ce verset et ils sont passés à côté de l'essence de ce verset, qui est pourtant une bombe atomique du point de vue spirituel. Voyons ce qu'il dit. Jésus répondit et leur disait, dans Jean chapitre 5, verset 19, il leur disait, « en vérité, deux fois il dit en vérité, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute possible, c'est une certitude. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car les choses que celui-ci fait, le Fils aussi les fait pareillement. » Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Jésus lui-même dit ceci, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Or, si Jésus vit en nous, il veut nous enseigner ce principe, c'est que nous ne devons rien faire par nous-mêmes, mais nous devons faire ce que le Père nous montre. Parce que Jésus prenait le temps de chercher la face de son Père pour que le Père lui montre ce qu'il devait faire ici-bas. Et je crois que Dieu veut te révéler ta destinée. Il veut te révéler les projets qu'il a formulés sur ta vie. Il veut te révéler l'attitude, le comportement de ton quotidien. C'est pourquoi il est important de dire, Seigneur, il est écrit que si le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais qu'il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, je veux vivre ainsi moi-même et écouter ta voix, me soumettre à la Seigneurie du Saint-Esprit et vivre sous la puissance de ton onction pour être celui que tu veux que je sois. Parce qu'il est dit ceci, les choses que celui-ci fait, c'est-à-dire le Dieu vivant, le Fils aussi le fait pareillement. Qu'est-ce que cela sous-entend? C'est que si tu as l'onction, si tu as le Saint-Esprit, si le Christ vit en toi, eh bien les choses que le Fils a fait, tu peux le faire aussi. Eh oui, les choses que le Fils a fait, tu peux le faire aussi. Et il a fait une première chose que tu dois faire aussi, demeurer dans la vérité parce qu'il est la vérité. Et d'où vient cette vérité? Du Père de vérité. C'est pourquoi tu dois lire la parole de Dieu pour demeurer dans la vérité. Deuxième chose, il était rempli de compassion parce que l'Esprit de Dieu le remplissait d'amour. Tu as besoin de comprendre que l'onction ne consiste pas à lire 50 bouquins sur l'onction, mais de dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour que ton amour se déverse dans ma vie. L'obéissance vaut mieux que tout. Tu sais ce qu'il faut faire. Mais la télévision, les activités, le quotidien occupent ton cœur, mais tu n'as pas le temps de monter à la montagne comme Jésus pour se tenir en la présence des anges, du Père éternel et de recevoir du Père tout ce qui est nécessaire à ta vie et à ta piété. Nous ne pourrons pas avancer loin spirituellement si nous ne mettons pas les principes du royaume en pratique. Je vous l'ai dit, l'onction nous conduit à l'obéissance à la voix de Dieu. Pourquoi des chrétiens ne vivent pas une vie de miracle? Et on ose dire qu'il n'y a pas de miracle aujourd'hui. C'est un gros mensonge. Parce qu'il y a des miracles. Mais le chrétien ne vit pas des miracles parce qu'il n'obéit pas au Saint-Esprit. Il ne vit pas dans l'écoute à la voix de Dieu. Il ne comprend pas la pensée de Dieu, parce que partout où Dieu se trouve, le miracle s'accomplit. Tu as un miracle permanent. Si tu réalises que l'onction est dans ta vie, que Jésus est vie en toi, alors tu peux, partout où tu es, manifester le royaume de Dieu. Tu dois comprendre ceci, c'est que l'onction retire tout de nos mains. Parce que l'onction prend en charge notre réputation, notre fierté, notre orgueil,
nos égoïsmes pour les conduire où? À la croix. Pour nous amener à mourir à nous-mêmes. Nous avons un ego surdimensionné, mais un ego qui prend un vêtement de spiritualité. Oh, j'ai besoin de force, j'ai besoin de plus de présence de Dieu, j'ai besoin de plus d'autorité. L'onction va prendre tout ça, toutes ces pensées-là, il va les prendre et les mettre à la croix, si tu acceptes de mourir à toi-même. Si tu dis, Seigneur, je vais te laisser conduire ma vie, je vais te laisser diriger mes pas, alors montre-moi le chemin, le Seigneur le fera certainement. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, le Seigneur est l'Esprit. C'est très important. Le Seigneur Jésus est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, c'est-à-dire une vie de victoire, une vie de miracle, une vie de prodige, une vie de repos, une vie de sérénité, une vie de paix, une vie de joie, une vie d'amour. Oui, là où est le Seigneur, là est la liberté. Si tu es un enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu vient en toi, qui t'apporte l'onction du Christ, alors tu vis dans la liberté, non pas pour faire le mal, non pas pour faire n'importe quoi de ta vie, mais la liberté d'aimer Dieu et de le servir. Ainsi, nous tous qui avisaille découvert, contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes en 2021 et la parole du prophète Joël s'accomplit. Plus que jamais, Dieu répand son esprit sur toute chair. Mais il va répandre son esprit sur des vases qui sont vides. Parce que si on ne peut pas remplir un vase qui est rempli, rempli de quoi? Rempli des choses du monde, rempli des choses de cette vie, rempli des obligations diverses. Mais si tu vides ta vie de toutes ces choses, tu dis, Seigneur, maintenant, remplis-moi de la force de ta présence dans ma vie. Alors tu vas vivre cette transformation. Vous savez, quand Moïse montait à la montagne du Sinaï, il était transformé parce qu'il voyait Dieu. Et la Bible dit que le sang de l'agneau nous a ouvert le sanctuaire de Dieu. Et que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Nous approchons de Dieu. Les portes du ciel nous sont ouvertes. Nous avons accès au trône de Dieu. Et Dieu nous ouvre ses bras. Mais si nous restons charnels, si nous restons terrestres, si nous ne pensons qu'à ces choses de cette vie, comment voulez-vous que accéder au ciel qui pourtant vous est ouvert? Satan te fait oublier cela. Mais chaque fois que tu invoques le Seigneur, les portes du ciel te sont ouvertes. Et tu te tiens devant le trône de Dieu. Et Dieu t'écoute. Dieu te voit. Mais nous parlons tellement à Dieu qu'il n'a plus le temps de parler à nos cœurs. Et pourtant, c'est lui qui est Dieu. C'est nous qui devrions être à l'écoute du Père. Mais nous parlons à Dieu, nous faisons toutes choses. Et il n'a plus le temps, il ne peut pas parler. Et pourtant, il pleure parce qu'il voudrait nous parler, mais on ne l'écoute pas. Et il fait tout pour que nous puissions l'entendre, puisque le sang de Jésus nous ouvre les portes du ciel. Cependant, je voudrais te dire ceci. C'est que même quelle que soit la situation d'aujourd'hui dans ta vie, il y a de l'espérance. Parce que je vais te rappeler l'objectif de Dieu pour toi. L'objectif de Dieu pour toi, c'est le Christ. Loin, seulement loin, l'onction, le Christ dans ta vie. C'est ça l'objectif de Dieu. L'onction, je le répète, implique que le Christ soit véritablement ton Seigneur. Jésus n'écrase personne. Il n'opprime personne. Il n'oblige personne. Mais il est tout pour nous. Il est notre vie. Christ est tout pour nous. Nous avons tout en lui. Tout est en lui. Mais tant que nous ne sommes pas soumis au Christ, nous n'en tirons aucun bénéfice. Notre foi doit grandir,
dans cette connaissance de Christ, de sa volonté. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Plus tu prends conscience de sa présence dans ta vie, plus tu te soumets à sa présence, plus tu marches dans la gloire de Dieu. Rappelez-vous des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages n'avaient pas d'huile au moment où le Fils arrivait. Et les vierges sages ont pris précaution de se laisser oindre de l'onction de Dieu. Dieu ne parle jamais en vain. Jésus revient. Il cherche un peuple marchant dans l'autorité du ciel pour arracher des griffes du diable, des âmes captives. Jésus a besoin de toi. Nous sommes, il est vrai, des chrétiens, je le dis pour moi-même, qui nous sommes laissés séduire par l'adversaire, par une recherche de religiosité. Oh, c'est plus pareil. Oh, on ne sent plus la présence de Dieu. Oh, il n'y a plus de fraternité. Satan se réjouit d'entendre de tels propos, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont rien compris de la volonté de Dieu. Ils ne savent même pas que Christ vit en eux. Pourquoi sont-ils en train de se lamenter? Alors que le Fils de Dieu, le Roi éternel, demeure dans ta vie. Pourquoi en train-tu de soupirer? Mais approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Cherche-le, il se laissera trouver. Il veut te remplir de sa présence. La Bible nous dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ça veut dire marcher selon l'onction, marcher selon la puissance du Saint-Esprit. Mais pour cela, il y a un chemin, le chemin de la croix. De se dépouiller de ses raisonnements, de ses ambitions, de ses aspirations, de ses désirs et ses passions pour dire « Seigneur, je veux comprendre ta volonté. Ta volonté, c'est que je sois rempli du Saint-Esprit, que je marche dans la puissance du Saint-Esprit, que je sois utilisé par toi pour être un instrument pour sauver et amener des âmes à la connaissance de la vérité. Non pas moi, mais l'Esprit qui vit en moi, qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas moi qui vais pouvoir faire un miracle, mais lorsque j'invoquerai ton nom, ta présence en moi va toucher cette personne et la guérir. Je crois, Seigneur, que alors que je vois quelqu'un dans une situation difficile, mais ta présence en moi va me donner des paroles de sagesse qui pourront refortifier cette personne et la sortir de sa détresse. Bien-aimé, si je vous parle ainsi, c'est parce que les écluses des cieux s'ouvrent et que la bénédiction de Dieu descend sur le peuple de Dieu. Mais il veut des tabernacles disposés. Il veut des vies soumises. Il veut des vies ouvertes à la Seigneurie de Jésus-Christ. Vie de prière, méditation de la parole de Dieu, prenez du temps avec Dieu, écoutez sa voix. Mes brebis entendent ma voix et elles font quoi? Elles vivent leur vie? Non, il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors il est important de suivre le Seigneur. Puisse le Saint-Esprit vous rendre intelligent et sage pour qu'il vous garde des œuvres du diable, de ses mensonges, de ses attitudes que nous avons qui nous détourne de la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple de ce que Dieu voudrait que vous soyez. Ne dites pas, c'est pas possible. Je te dis, le même esprit que celui que nous allons voir, le même esprit qui est en lui, il vit en toi. Je parle de qui? De l'apôtre Pierre. Voyons l'apôtre Pierre et comprenons pourquoi je vous le présente. Dans Actes chapitre 5, verset 14, il est dit ceci. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Donc vous voyez que quand l'onction est là, quand on trouve des hommes et des femmes ointes, les âmes se convertissent. C'est le Seigneur qui attire. Mais il attire comment?
parce qu'il vit en nous, il les attire au travers de nous. Alléluia. Parce que nous avons l'onction qui vit en nous. Alléluia. Alors, je continue la lecture. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, des couchettes, dans quel but ? Afin que lorsque Pierre passerait, pourquoi ils attendent le passage de Pierre ? On va le découvrir. Lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Il savait que Pierre avait l'onction. Il savait qu'il y avait en lui quelqu'un, source d'une grande bénédiction. Et ils se sont dit, mais si nous nous mettons de telle façon que son ombre passe à nos côtés, nous serons guéris, nous serons délivrés. Et la Bible dit que la multitude accourait, aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades, des gens tourmentés par des esprits, et ils étaient tous guéris. Ils étaient tous guéris. L'ombre de Pierre libérait les captifs et guérissait les malades. L'onction qui était en lui et dans la vie des croyants apportait la guérison dans tout Jérusalem. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit, demeurant sur eux. Et à partir de ce fait, ils ne regardaient pas leur faiblesse, ils ne regardaient pas leur capacité, ils disaient « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Et je vous le dis en conclusion, l'heure est venue de passer à une autre dimension avec Dieu. Ce que Dieu a fait au travers de Pierre, il peut le faire au travers de ta vie. Même ton ombre sera une source de bénédiction. Parce qu'il est écrit qu'il est important de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas l'ombre de Pierre qui était puissante. C'est l'ombre de celui qui vivait en lui, qui se manifestait au travers de l'ombre de Pierre et qui apportait la victoire. Sois une source de victoire. Là où tu passes, sois un ouvrier de paix. Là où tu vas, apporte la vie. Là où tu es, apporte des paroles de sagesse. L'heure est venue de passer notre dimension avec Dieu. Le Saint-Esprit nous invite à dépendre de lui. Soumettons-nous à Dieu. Il est dit, soumettez-vous à Dieu. Humiliez-vous sous sa main puissante et vous élèvera. Soumettez-vous à Dieu. Dépendez du Saint-Esprit. Sanctifions-nous davantage et nous serons utilisés par Dieu pour être des témoins puissants entre ses mains. Jésus revient. Il revient chercher une église sainte, marchant dans l'amour et dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, rappelez-vous du titre, demeurez dans la puissance de l'onction, parce que l'onction demeure en toi. Il suffit maintenant de t'y soumettre. Je vais prier pour que tu comprennes ces choses et qu'à partir de ce jour, tu entres dans une nouvelle dimension avec Dieu. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Jésus, Jésus, tu es magnifique, Jésus. Jésus, tu es le roi des rois éternels. Jésus. Il est saint et juste. Le roi éternel est saint et juste. Et il demeure dans ton cœur et demeure dans ta vie. Car le roi éternel désire déverser son onction en abondance sur ton âme. C'est pourquoi, Père Saint, car c'est là ta volonté, je te prie de parler au cœur pour que chacun de nous nous acceptions de mourir à nous-mêmes, de nous dépouiller de nous-mêmes pour dire « Je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que je dois faire au Père. Ouvre nos yeux pour que nous voyons ta gloire. » Dispose nos cœurs à nous tenir dans ton sanctuaire. Que tu parles à nos cœurs par ta parole, par révélation, par songe, par connaissance. Que tu parles à nos cœurs et que ta gloire repose sur notre face comme elle reposait sur la face de Moïse. Seigneur, que tu nous transformes de gloire en gloire et qu'à partir de ce jour, nous ne soyons pas trompés par l'adversaire, mais que nous puissions dire, Seigneur, tu vis en moi, je puis tout
par celui qui me fortifie. Seigneur, qu'à partir de ce jour, nous soyons plus inquiets, car nous proclamons que le prince de la paix demeure dans nos vies. Et nous serons plus sujets à l'inquiétude face à la maladie, car on va proclamer que l'Éternel qui me guérit vit en moi. Alléluia. Je proclame, comme dit l'apôtre Paul, que la loi de l'esprit de vie, en cet instant, nous libère, nous affranchit, nous délivre de la loi du péché et de la mort, afin de nous conduire à la connaissance de la vérité, afin d'être sauvés. Jésus, Alléluia. Je t'invite à poser ta main sur ton cœur maintenant, à la placer sur ton cœur pour dire ceci avec moi. Père éternel, je te demande pardon pour ma rébellion. Je te demande pardon pour mes résistances. Je te demande pardon pour un ego trop grand. Je te demande pardon d'avoir été fou en oubliant que tu vis en moi. Et je te prie ce matin de prendre mon cœur et d'y mettre ta puissance. Et d'y mettre ton amour. Et d'y mettre ta sagesse. Que ta bonne main repose sur tous ceux qui ont dit ces paroles, Père éternel, pour qu'ils ne soient plus jamais les mêmes, mais des hommes et des femmes ointes, marchant dans l'enseignement de l'onction et vivant par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, dis-le avec moi s'il te plaît, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On le répète à nouveau, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse en cet instant, et ne soyez pas des auditeurs oublieux. Jésus revient, soyez des hommes et des femmes ointes du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ce temps de louange qui va suivre. Soyez bénis. Nous voulons continuer encore. Le Saint-Esprit que Dieu nous a promis est un esprit de joie. Et nous voulons encore réclamer encore que ce Saint-Esprit descende sur le peuple de Dieu ce matin. Dieu, que tes eaux vivent pour le sur mon cœur. Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur. Que ton Saint-Esprit contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie. Mes fardeaux et mes soucis, je te prie. Prions à Jésus. Jésus! Père, 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 Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, 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 oh viens Esprit de Dieu. Chantons le Père. Père, Père, Père. Nous chantons Esprit de Dieu, Esprit. Esprit, Esprit.
dire, Dieu, que tes eaux vivent. Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur. Que ton Esprit Saint contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie. Mes fardeaux et mes soucis, je te. Alors nous crions, Jésus, prie avec nous. Père, 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 Père. Nous disons Esprit de Dieu, Esprit. Esprit, Esprit, Esprit. Alors on vient Esprit de Dieu. Donne ta vie. Donne ta vie à Jésus qui comble ton âme. C'est ce que Jésus veut faire pour toi. Qui t'entoure de ses bras pour te sauver. Tu seras libéré si tu rends les âmes. Avec Jésus, on va le redire. On va le redire encore. Donne ta vie. Donne ta vie à Jésus qui comble. Alors nous pouvons prier, Jésus, prie avec nous, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous pouvons prier au Père ce matin. Tout bas, nous prions Jésus, 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 Jésus. Nous disons Père. Enfin nous disons Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et soyez remplis du Saint-Esprit.